très bonnes fêtes de fin d'année et nous allons faire une motivation vie de famille une fois de plus ce matin. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre. Je suis née un 24 décembre et Martin s'est levé très tôt le matin. Il est 6 heures. Quand Martin se lève, il essaye de débarbouiller la maison, faire le ménage et tout, parce qu'aujourd'hui, je suis une princesse, hein. Donc, il essaye de nettoyer toute la maison, la salle de bain, parce qu'il sait que je vais prendre ma douche. Donc, il essaye de faire tout pour que je sois une reine aujourd'hui. Donc, lui et les filles, ils ont organisé, me faire une surprise et je ne savais pas. Et là, je vous explique ce qui va se passer. Du coup, j'étais dans mon lit très tôt le matin. J'ai su qu'un matin s'est levé, mais comme j'étais un peu fatiguée, je n'ai pas voulu me lever très tôt. Et j'ai constaté qu'il y a une personne qui a ouvert la chambre parce qu'il y a souvent une boîte de bonbons dans ma chambre. Et du coup, il y a Kezia et Luna qui passent leur temps à venir me voler des bonbons dans la chambre de temps en temps quand ils voient ma porte ouverte. Et je croyais piéger la personne. Du coup, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je croyais que c'était Luna ou Kezia qui voulait venir voler des bonbons. Et je voulais voir ce que la personne voulait faire. Du coup, je ne dormais pas. J'étais sous la couverture. Je ne savais pas que ma famille, mon homme et mes enfants m'organisaient une surprise. Du coup, je croyais attraper le bandit main dans le sac. Mais là, quand je me réveille, plutôt il y a Luna qui m'a réveillée. Et elle me dit, grand-mère, voilà tous tes cadeaux qu'on t'a réservés. Et là, je me suis réveillée. Bien sûr, vous allez constater que je ne dormais plus parce que je ne dormais effectivement plus. J'étais éveillée. Mais c'était quand même une surprise totale pour moi et j'étais très heureuse. Et je vous laisse découvrir la surprise. Je vous laisse avec les images. Et là, tout le monde a fait le ménage, tout est propre là. Bien sûr, Martin n'a pas encore fini ses travaux, mais ils se sont dit, s'ils ne font pas ça rapidement, je vais me lever parce qu'aujourd'hui, c'est le 24 et Martin a invité une famille. Moi aussi, j'ai invité ma meilleure copine et sa famille pour qu'on puisse passer le 24 décembre ensemble parce que moi, je suis née en 24, donc du coup, c'est mon anniversaire. Ça coïncide avec les fêtes de Noël, mais moi, je ne fête pas Noël, mais c'est mon anniversaire. Par contre, j'ai décoré la maison, les filles et moi, pour faire plaisir juste aux filles, quoi. Et là, ils sont en train de faire une réunion. Martin et ses filles sont en train de faire une réunion. Essayer de s'entendre sur comment ils vont entrer dans la chambre pour me faire la surprise. Et là, c'est Cynthia qui est en train de filmer. Et je vous laisse avec les images. Et là, je ne dors pas. Je me dis, je vais attraper le bandit, la main dans le sac. Réveille grand-mère.
veille là. Et là, j'entends seulement mon petit bout de chou qui me dit, grand-mère, elle me dit, voici tous tes cadeaux qu'on t'a gardés. Et là, j'ai réalisé que ce n'était pas quelqu'un qui venait voler les bonbons, c'était plutôt une surprise. Et j'étais vraiment émerveillée de voir cet amour que ma famille m'a réservé. Franchement, j'étais... Mais là, je ne dormais pas, hein. Je croyais piégée. Maman, l'émotion de ça, pour leur faire plaisir, je vais aussi montrer que je suis émue jusqu'à le feu sort. L'émotion de ça, intégrons-nous vivants. Nous sommes déjà les, nous sommes en vain, non? L'émotion de ça, comme les blancs. Hé, hey, maman! Le goût de ça. Et on a déjà tour de rôle. Happy birthday mon amour. Que cette année soit bonheur. Alors, c'est un cadeau de qui? De papa. C'est pour toi? Oui. Elle dit c'est elle qui m'a offert ça. Mais non, dis c'est papa. Elle dit c'est moi. Voilà, pousse-toi. Comment faire là? Je suis pressée d'ouvrir. Ouh, pousse-toi, Luna. C'est quoi? Luna, pousse-toi. Pousse. C'est quoi? Arrête de dire Cynthia. Papier bulle. Papier bulle. Maman, donne-moi toi. Wow, il est trop beau. Merci, chérie. Papa. Ah, merde. Tu becques de quoi? Wow, il est trop beau. Et là, je découvre la Samsung S22 Ultra. Et vraiment, j'en râlais folle. Donc, il entendait souvent comment je me plaignais que je veux une bonne Samsung et tout, pour pouvoir faire les vidéos de meilleure qualité. Parce que mes vidéos étaient souvent floues. Et comme nous, les mamans, on aime trop les économies. Et je ne voulais pas acheter les appareils comme vous connaissez. Et là, je vais pour prendre ma douche parce qu'il faut que je me lance. Le 24, on a des invités. Et je vous laisse avec les images. Et quand j'arrive dans la douche, je trouve une surprise. La douche est toute propre, toute pimpante. Il a changé de rideau et vraiment j'ai le plaisir de prendre une douche dans une douche aussi merveilleuse, nettoyée par Martin. Je vous laisse avec les images. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles et d'une petite fille de 3 ans, ce qui me fait 5 filles. Je fais partie du corps médical français. Je vis en plein cœur de Paris et vous connaissez à quoi cela rime. Avoir les enfants, un mari, le travail, c'est pas évident. Vous les mamans qui avez des familles, des enfants et tout, vous voyez, vous essayez de comprendre ce que je veux dire. Parce que c'est pas évident de travailler, de s'occuper d'une famille et d'assumer en tant que maman. Donc du coup, si tu es nouvelle sur ma page, laisse-moi un commentaire. Comme ça, je vais te souhaiter la bienvenue personnellement. Et puis, des likes, hein, merci. Et quand je sors de la douche, je trouve Martin et Kezia qui sont en train de danser. Martin en train de danser la danse de chez lui, il est en train d'enjoy la vie. C'est quand même la fin d'année, hein. Un an de plus, c'est pas évident d'atteindre la fin d'année. Donc du coup, il est en train d'enjoy là. Et quand je me lance pour attaquer la table, mes petits travaux, il est déjà, je pense, 18h. Hein. Il est 18h parce que j'avais d'abord d'autres trucs à faire. J'avais des petits travaux à faire. Bien sûr, j'ai assaisonné le poisson hier soir et c'est Iris qui va faire le poisson. J'ai préparé les misunga, j'ai préparé le ndoulé et là, je vais m'attaquer là présentement à la table parce qu'il est 19h. Les invités vont bientôt arriver.
Du coup, je vais faire une petite déco simple, pas compliquée. Genre, il faut que ça soit cocooning, que ça puisse avoir un petit goût de la fête, quoi. Donc, du coup, j'essaye de faire ma petite décoration. Les mamans, je vous conseille de le faire, hein. Quand il y a une fête comme ça de fin d'année, ou bien si c'est une fête que vous fêtez, bien sûr, c'est pas tout le monde qui fête Noël. Bien sûr, moi non plus, je ne fête pas Noël, mais j'essaye de m'y faire parce que moi, je suis née en 24. Donc, du coup, j'essaye de faire une petite déco et tout, vous voyez. C'est pour vous dire ceci. Dans la vie, il faut vivre. Faut pas vivre comme des morceaux de bois, ou bien comme si vous n'existez plus. On est quand même sur la terre pour avoir une vie meilleure. C'est vrai, on n'oublie pas Dieu. On doit faire, si tu fais un truc qui ne met pas Dieu en colère, c'est le plus important, si c'est une bonne chose pour toi. Pourvu que ça ne mette pas l'Éternel en colère. Donc, vous les mamans, quand il y a fête comme ça, essayez de mettre vos enfants à l'aise, votre famille à l'aise. Essayez de faire aussi un petit truc pour votre famille. Faut pas seulement rester là comme si la vie n'existe pas. Il faut juste payer les factures. Il faut aller au travail, rentrer, dormir. Non, c'est pas une vie. Quand c'est comme ça, essaie aussi de te battre pour ta petite famille, mettre ta petite famille à l'aise. Vous voyez, je me suis organisée. Malgré que je travaille, c'est pas évident, mais là, j'ai travaillé hier soir, hein. Donc, du coup, hier dans la journée. Non, avant-hier, j'ai travaillé. Dieu merci, j'avais quand même la journée d'hier et je me suis organisée. Donc là, j'essaye de faire la table. Il y a Cassandra qui me conseille d'enlever le rouge, de mettre uniquement les verts. Parce que j'ai d'abord fait la table aujourd'hui, il n'y avait pas la nappe. Et ce n'est pas bien sans nappe. Or, il faut toujours mettre une nappe quand je fais une petite déco de table. Donc du coup, c'est ce que moi j'ai créé. Hein. J'ai mis les guirlandes sur la table au lieu de sur le sapin. C'est ce que moi-même j'ai essayé de faire, mais jusque-là, ça a donné. J'ai mis des petites bougies, des bougeoirs que j'ai pris à Babou. Tout ce que vous voyez sur la table, là, j'ai pris ça à Babou. Et j'essaye de faire à ma manière, essaye de rendre mon homme heureux, mes enfants heureux. Et vous voyez, ainsi va la vie. Il ne faut pas être triste dans la vie. Là, j'ai acheté des petits essuie-tout pour les enfants et j'ai acheté aussi pour les grandes personnes. Tout ça à Babou. Donc, faut pas seulement vivre, parce que j'en connais, j'ai des collègues, par exemple, elle, c'est le travail. Ce n'est que le travail. Après le travail, c'est le dodo. Il n'y a pas de plaisir en famille. Il n'y a pas de sortir avec les enfants. Il n'y a pas ça. Pour elle, c'est chercher l'argent, chercher à investir au pays, tout et tout. Je connais des collègues comme ça. J'en connais. Elles font des vacations jour et nuit. Et ce n'est pas une vie, ça. Il faut penser aussi aux enfants. Il faut penser aussi que les enfants ont aussi une vie. Il faut aussi penser à rendre heureux nos enfants. C'est vrai, le travail, c'est bien, mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Hein? C'est ce qu'une chanteuse ivoirienne a chanté là. Hein? C'est la même phase. C'est la même phase tous les jours à Rukututu. Et après, ça vous épuise. Après, ça vous démoralise. Après, il y a le stress en Europe. Donc, il y a de temps en temps, il faut se lâcher, se faire plaisir, tout et tout. C'est vrai, il faut travailler, il faut investir, ça c'est sûr. Mais il faut aussi se faire plaisir. Il faut qu'on pense à nos enfants. Parce que moi, j'en connais qui partent carrément le 24 décembre comme ça. C'est vrai, peut-être une fête pas Noël, c'est sûr. Mais c'est la fin d'année. Elle préfère aller travailler. L'enfant est à la maison triste et tout. Je me demande quel cœur ce genre de maman peut avoir. Je ne juge pas. Mais il faut quand même penser à nos familles. Nos enfants sont prioritaires. Les enfants sont prioritaires. Moi, par exemple, il y a d'abord Dieu. Après Dieu, c'est mes enfants. Après mes enfants, c'est moi et Martin. Après, ma famille suit. C'est comme ça. On ne va pas seulement rester là que le travail, les factures, le travail, les factures, le travail, les factures. Hein? C'est la même phase, c'est la même phase. Finalement, tu vis à l'eau quoi sur la terre. Ça ne sert à rien de vivre comme ça, les filles. Donc, c'est toi, la maman, qui doit mettre la joie dans ta famille. C'est toi, la maman. Tu crois qu'un homme comme Martin, lui, c'est un homme. Tu crois que lui va organiser, mettre les bougeoirs comme ça et tout. Non, les hommes, eux, ils s'en foutent. Hein? Si toi, la maman, tu n'entreprends pas, c'est mort. Ta maison va être triste. Donc, c'est à toi d'organiser des petits trucs comme ça. Parfois, même, il y a des vacances où Martin, il ne pense même pas qu'on aille, mais j'organise. Je lui dis, chérie, il va falloir qu'on cotise et on va en vacances avec les enfants. Et du coup, il s'est déjà habitué. Hein. Nous, on essaye de vivre comme les Blancs. C'est comme ça que les Blancs sont organisés. Et là, j'essaye de mettre les bougies pour que ça fasse cocooning. Ça fait une ambiance au chaud, là, en plein hiver. Et moi, ma maison est très bien chauffée. J'ai eu cette chance, bien sûr. Donc, c'est ça, les filles. Essayez de mettre un peu de joie chez vous, un peu d'ambiance. Et ça fait plaisir, vous voyez. Ça fait cocooning, là.
Et là, j'ai acheté les pyjamas là sur Amazon, les pyjamas, parce que un 24 décembre, nous sommes à la maison, il faut être en pyjama. Et j'ai acheté les pyjamas pour tout le monde, Martin, pour son frère, en fait pour la famille. Et du coup, là, pour qu'on fasse une photo de famille, de fin d'année, un souvenir et tout, vous voyez, ça fait cocooning. Regardez ma table. Qu'est-ce que vous en dites? Ne vous moquez pas de ma table. Hein? Du coup, quand les invités sont arrivés, j'ai ajouté encore deux plats. Donc, ça faisait au moins 8 personnes, les adultes sur la table et les enfants, eux, ils ont mangé au sol. Bon, pour éviter les miettes. Hein. Et là, tout le monde est déjà prêt. La maison sent bon. Les enfants sont prêts. Il y a Kezia qui fait sa maligne là. Et tout, et tout. Il y a Luna qui est là. Et elle a sa petite couverture au chaud. Et j'ai opté pour le vert parce que ça symbolise les sapins, la verdure et la neige. Donc, quand vous voyez, il y a le rouge, blanc, neige. Bon, c'est surtout pour leur faire plaisir. Et là, je passe dans la chambre pour attaquer mon lit. Parce que là, je n'ai pas eu le temps de faire mon lit quand je me suis levée. Et là, j'ai opté aussi pour le blanc. Le blanc représente la neige et le vert, c'est la verdure et tout, en plein hiver. Et ça fait cocooning. Donc, je vous laisse avec les images. Et là, j'essaye de faire mon lit parce que j'aime dormir dans un lit, un beau lit, quoi. Et là, j'essaye de faire en sorte que quand la soirée va finir, que je me jette sur un bon lit parce que j'aime quand ma chambre sent bon. J'aime quand ça fait cocooning. Vous allez dire que j'aime ce mot-là. Hein. Cocooning, ça fait, ça veut dire au chaud, tu es bien, un peu jade, tu as le chocolat chaud en main, tu as ta petite couverture sur toi. C'est ce qui veut dire cocooning. Donc, tu es bien où tu es, quoi. Donc, du coup, j'essaye de faire ma petite chambre et tout, et j'ai choisi un drap vert, la verdure, comme je vous ai dit tout à l'heure, et la neige et tout. J'essaye aussi de me débrouiller à ma manière, j'essaye de faire en sorte que ma maison, ma petite maison, soit heureuse. Et je vous laisse avec les images. Voilà ce que le résultat de ma petite chambre donne et c'est au chaud. J'ai allumé les lampadaires. En fait, il y a des lumières partout. Ça fait cocooning. Ou bien les filles. Je me suis aussi débrouillée. Oh, mais avec le temps, je vais acheter des bons oreillers. Pour l'instant, je me débrouille avec ce que j'ai. Et là, voilà la fameuse boîte de bonbons que les filles suivent tout le temps dans ma chambre. Et là, Iris est dans la cuisine. Elle est en train de nous faire du bon capitaine du Sénégal. Et comme je l'ai appris la cuisine, elle s'y met. Hein. Et là, moi, je passe à autre chose, tout et tout. On s'organise comme on peut, on se soude les coudes et tout. Là, c'est le misunga, les tripes attachées avec les intestins de bœuf, les tripes de bœuf que j'ai attachées avec les intestins. C'est vrai, ça s'est un peu détaché, mais c'est toujours bon. C'est toujours très bon. Et c'est ce qu'on va manger. Et là, il y a des bâtons de manioc qu'on appelle les bobolos, les bobolos. Et là, j'ai fait du ndolé, le fameux plat qui ne doit pas manquer dans les fêtes camerounaises. Et tout, et là, je ne me suis pas trop prise la tête, hein. Et les filles sont déjà en position, on attend que les invités, tout et tout, le temps que Iris fait rapidement le poisson, elle aussi, elle va aller prendre sa douche. Et après, j'étais obligée de me redoucher, parce que là, je sentais un peu la nourriture, je me suis redouchée, et je vais aussi enfiler mon pyjama. Je vous laisse avec les images. Doucement, Cindy, doucement.
Attends, quitte un peu. Je pouvais mettre. Hein. Il est 20h30 quand les invités arrivent. Le petit frère de Martin est arrivé en premier et il a enfilé son pyjama. Ah oui, ça l'a fait. Allez, allez, Vicky, montre-nous. En 24 décembre, comme ça, il n'y a pas à rendre mes dessins. Oh. Et là, j'ai mis l'apéro et ça nous donne le temps de faire une photo en famille, de faire la photo avec les amis, tout le monde. On a fait des photos, tout et tout. Et là, on est en train de faire des photos. Là, c'est moi qui filme. Là, tout le monde est en position de la photo. Les souvenirs de décembre 2023, bien sûr. Moi, j'aime les souvenirs. Hein. Et là, du coup, j'ai mis l'apéro, j'ai mis de quoi boire, j'ai mis des œufs, j'ai mis des olives, j'ai mis des saucisses séchées. En fait, il y a l'apéritif qui est là. J'essaie de m'organiser comme en Occident. Hein. Il y a ma meilleure copine qui est là avec son mari. Et elle a laissé des enfants et ça m'a beaucoup fait mal, mais bon. Elle m'a expliqué pourquoi elle a laissé des enfants, tout et tout, mais c'est pas grave, on va se rattraper la prochaine fois. Il y a Martin qui a invité sa personne aussi et sa femme et leur fils. Donc du coup, j'ai préféré un truc restreint. Je ne veux plus les grosses fêtes là, que les gens remplissent dans la maison à craquer là, non. Là, je préfère les plus proches et là, je fais ma belle avec mes filles. Hein. On est en train de faire notre belle, après tout le monde va passer à table. Je vous laisse avec les images. Et là, tout le monde est passé à table. On est restreint là. Vraiment, ça fait du bien. Franchement, on est là, 8 sur la table, 8 adultes, et ça fait un peu style, hein? Ça fait un peu style chez nous, les Parisiens. Vous savez que moi, je suis une Parisienne depuis des années, hein? Depuis de longues années. Donc, du coup, je me suis adaptée au style. Et vraiment, un peu de personnes comme ça, ça fait vraiment du bien. Vous profitez bien, tout et tout. Et là, j'ai servi le misunga, les tripes attachées. Il y a les petites bougies là, vous-même regardez, ça fait cocognon, tape les commentaires en famille et ça fait du bien. Je vous laisse avec les images. Et du coup, Iris entre en cuisine pour prendre le gâteau, pour servir mon gâteau, parce que c'est pas moi-même qui vais me servir en même temps. Donc du coup, ce sont mes deux mamans, Cassandra et Iris. Je vous laisse avec les images. Mets comme ça. Attention, ça fait fort. Mets pas ta main. Du coup, ce gâteau, c'est un gâteau de 125 € qui m'a été offert par Martin, mon homme. Il a pensé à sa petite femme. Il m'a acheté un téléphone Samsung S22 Ultra, ce qui a coûté dans les 1300 poussières, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, du coup, vous voyez quelle valeur mon mari me donne. Donc, du coup, vous savez, j'ai quand même une valeur. Et c'est ça un homme. Et c'est ça qui pousse un homme, une femme à aimer son homme, à respecter son homme. Et c'est ça, hein, les hommes. Il faut savoir que les femmes ont besoin des cadeaux. Parfois, il faut le faire. Je vous laisse avec les amis. Joyeux anniversaire,
Du coup, comme je suis dans l'émotion de la fête, Martin me dit de souffler la bougie alors qu'on ne souffle pas ce genre de bougie. C'était un piège qui me tendait parce que je lui avais fait la même chose lors de son anniversaire. Donc, il m'a rendu la pièce et il est très content. Ils sont là pour moi. Il y a monsieur Nola Martin. Oh, on te voit un peu. Monsieur, mon mari, il est là. La midi. Tu vas être de vos en été. Et puis là, je suis là. Donc, bien que le voyage. Regarde le cadeau qui est sur la table. Moi, mon anniversaire, ça me fait argenter. Prenez janvier, prenez moi de la clé. C'est quoi? Non, 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 que les bonnes choses viennent à cette famille. Il y a tous ceux qui sont ici. Fermez l'armoire, Cynthia. Ferme ça, s'il te plaît. Merci. Et là, je partage le gâteau à toute la famille. Il y a le petit monsieur là qui a failli faire tomber Iris. Un petit dangereux. Hein. C'est un enfant qui est resté jusqu'à 6 heures du matin. Les garçons, au moment, sont terribles. Il n'a pas dormi. Cynthia a beaucoup aimé cet enfant. Il y a Cynthia. Elle est partie enlever carrément son pyjama. Elle me dit avec son pantalon, elle est tendance, tout est doux. Comme c'est un pantalon déchiré. Hé, les filles. Donc Cynthia, elle aime être coquette. Hein. Dès qu'on a fini de faire les photos, la bonne dame est partie se changer en même temps. Elle me dit, maman, je suis très stylée comme je suis et je ne pourrais pas l'imposer. Et là, il y a le petit Yor là, le petit Yor qui joue avec son jouet là. Un petit garçon très brave. Et là, je partage le gâteau, on papote en famille et vraiment, ça fait plaisir, hein, les plus proches. Vous voyez, la famille, à nos jours, la vie est devenue très bizarre qu'il ne faut pas inviter n'importe qui chez soi. Invite ceux qui sont avec toi, que toi-même, tu vois vraiment qu'ils ont un cœur pur. C'est vrai, un papa dit que l'être humain a le cœur pur, parce que tu ne peux pas savoir ce que l'être humain pense au fond de lui. Mais là, c'est beau, c'est en paix, la paix totale, la famille en train de manger et tout, ça fait plaisir, là. Regardez vous-même, il y a Martin qui fait le malin, là. Le goût de ça, ça laisse personne. Il y a Luna qui est dans son petit plat. Et là, j'ai invité les plus proches et on est dans la paix totale, on est heureux là. En fait, on est dans l'enjoy total, quoi. Et après le gâteau, on passe au champagne. Il y a Iris qui nous sert du champagne parce que je suis la reine ce soir, hein, celle qui s'occupe de sa mère. D'habitude, c'est moi qui m'occupe d'eux, mais elle s'occupe de la maison aujourd'hui. C'est la maman de la maison, c'est la ministre de l'Intérieur du coup. C'est elle qui sert le champagne aux gens. Mais elle a fait un truc qui m'a beaucoup plu. C'est là où j'ai compris que ma mère a bien éduqué Iris. Iris, comme c'est le champagne, je lui ai dit exceptionnellement, comme elle ne prend pas de l'alcool, elle peut goûter un peu de champagne pour être avec tout le monde, quoi. Ça, pour qu'elle ne soit pas comme une villageoise, elle est quand même déjà grande, bientôt 20 ans.
Donc du coup, comme elle a 19 ans, bientôt elle a 20 ans, elle doit quand même parfois faire bon visage devant les gens. Mais la bonne dame, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a joué à la maligne. Je lui ai dit, maman, va prendre un verre, tu goûtes un peu au champagne. Elle a fait techniquement, comme elle avait le coca dans son verre, voilà sa coupe qui est juste devant elle. La bonne dame, elle n'est pas partie, hein. Elle est restée là. Quand on trinquait, elle a soulevé son verre de coca, elle a trinqué et elle n'est pas partie prendre le verre. Et je l'ai beaucoup appréciée. C'est là où j'ai compris que ma mère mérite vraiment, elle mérite un gros cadeau. Elle a bien éduqué ma fille. Ma fille vraiment s'y met dans les travaux de maison. Elle se met, disons, elle s'implique comme une vraie femme africaine. Et vraiment, j'admire ça de ma fille. Et j'espère que ces petites sœurs seront comme ça. Hein. Vous connaissez les petites wesh qui naissent en Europe là. J'espère qu'elles ne seront pas comme les wesh d'ici. Elles vont capter leur grande sœur. Vous voyez, celle qui fait le service, elle s'y met. Et je me sens heureuse quand je la vois faire tout ça. Vraiment, je suis très contente. Et elle sait servir. Hein. Vous voyez comment elle fait ses petits doigts. Elle met et après, tout le monde va trinquer et tout et tout. Je vous laisse avec les images. Je me dis que tu es vieux déjà parce que je suis habitué. Le jour où tu as le problème à la maison avec ma femme, elle dit que non, ok. Là, c'est avec quelqu'un. Mais c'est un peu de le problème qui sont installés. Ah oui. C'est le problème qui sont installés. Tranquille. Je veux nous le voir par là-bas. Tu vois pas? Je veux nous le voir par là-bas. À la santé. À la santé. À la santé. Et là, on a mangé, on a bu, on a pris le dessert et tout et tout. Et là, la fête commence. Le bal s'ouvre, on ouvre le bal. Et là, il y a le mari de d'Audrey, ma meilleure copine, qui est dans l'ambiance là. Du coup, il y a Martin qui encourage Audrey et il dit à Audrey, pour l'encourager, qu'elle se lève aussi. Il dit, regarde comment lui fait. Et il y a les filles qui m'encouragent. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Audrey, c'est comme ça se passe. C'est le tournage des reins que tu veux voir. Adama, on peut faire ça. Il est déchargé. C'est ça. Mais Du coup, matin, lui, il m'a collé jusqu'à, il fallait que je me décolle. Il était super glu là. J'ai dit, mais celui-ci, il croit qu'il est en bois de nuit ou quoi. Du coup, j'avais honte déjà devant Kezia. Kezia était là, les petits yeux étaient souvent sur nous là. Que... Donc, du coup, je lui ai dit, hey, arrête ça. Tu vois que tu es en bois de nuit ici. Tu vois pas qu'il y a tes filles qui sont là. Et Kezia était toujours là, tout près, en train de guetter. Hein. Vous voyez, le petit ici, lui, il mâche lui les glaçons. Il mâche ça comme le chewing-gum. Donc, du coup, c'est étonné, les iris. Son père lui donnait les glaçons là. Il en voulait encore pour mâcher. J'ai beaucoup aimé ce petit garçon là. Et il y a Kezia, elle est toujours là tout près. Quelqu'un ne peut même pas enjoy. Il y a Martin, tellement il est assou. Il est toujours là en train de couler les gens. Il ne fait que. Il motive alors ma meilleure copine de se lever. Donc, comme elle ne voulait pas se lever, elle voulait un peu rester assise. Elle était un peu fatiguée. Il a motivé. Il y a son mari qui est là tout doux, tout doux. Nous, on est dans les anciens sons et ça fait du bien. Moi, particulièrement, j'aime pas trop les nouveaux sons, les nouvelles chansons, tout et tout. J'aime les anciens artistes d'auparavant, là, et c'est ça vraiment qui me fait plaisir. Je vous laisse avec les images. Du coup, je sors alors les piches d'auparavant. Martin m'intrigue après, quand il a vu la vidéo, il me dit, mais qu'est-ce que je mettais en bas là-bas? Pourquoi je mettais ma main en bas là-bas? Je lui dis, c'est les anciennes touches, non? Et lui, alors, il est dans le collage, là. On peut coller quelqu'un comme ça là. Même son petit frère lui a demandé, c'est comment tu colles ta femme tout le temps. Là, c'est pas lui qui faisait. C'est parce qu'il avait bu le whisky jusqu'à... Et donc, j'étais comme son joueur ou je ne sais pas. Donc,
à un moment donné, j'étais obligée de le fuir même. Regardez, regardez, vous-même, regardez. On peut coller quelqu'un comme ça. Non. J'ai dit, oh, arrête un peu. Je l'ai même blâmé, même son petit frère se moquait de lui que c'est. Et là, son petit frère a mis le TikTok. Du coup, il avait sa petite communauté qui est là. Je suis en train de blâmer Martin qu'il faut arrêter. Arrête un peu là, tu abuses. Il dit non, viens ici, ne te lâche pas. Viens ici, viens danser ici. Et là, il y a les tournages de fesses là, hein, maman. C'est les tournages de fesses que vous voulez voir. Regardez, il danse seulement à côté. Il est seulement là pour vouloir me coller. Regardez, regardez. Vous avez vu ça? Regardez. Et Kezia est toujours prêt. Jusqu'à, j'avais même de la honte. Hein. Elle est toujours à côté. Regardez, regardez son papa, comment il fait les choses. Parce que, voilà, je me décolle là techniquement. Mais il veut toujours danser à côté. Toujours tout prêt. Regardez. Il voit un paquet. Oui. Il sort aussi ses piches. C'est les piches que vous voulez voir. Chacun sortait de ses piches pas possible que... Je vous laisse avec le... Non, 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 c'est pas OK. C'est pas OK. Du coup, il oblige Audrey à venir danser ma copine. Donc là, il la bloque. Il y a son mari aussi qui la bloque derrière pour qu'elle n'aille plus s'asseoir. Parce qu'elle ne voulait pas. Dans la main, c'est que tu vas danser. Tu viens dans la piste de danse obligée. Donc du coup, là, elle s'est levée. Elle essaye de danser. Bien sûr, elle n'aime pas tous les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle ne veut pas sortir dans le TikTok là-bas. Elle refusait de danser à côté. Du coup, elle fuit. Elle va danser de l'autre côté. Elle dit, viens ici. Tu vas sauf que danser ici. Merci, ma petite chère. Merci pour le temps. Merci pour le temps. Merci pour le temps. Et là, c'est ça, mes amis. Yes, yes. J'avais ma princesse. Voilà, merci, ma princesse. Et là, Le couple de l'année. Oui, je suis la femme qui n'avait jamais de problème. Elle ne suis là aujourd'hui pour la femme. Allez, Ne riez pas trop fort, hein. Moi aussi, je sors les anciennes touches, les pichenettes. Les pichenettes, vous regardez, Martin, lui aussi, il est dans ses pichenettes de quelqu'un qui est assous. Moi, il sort mes piches à l'ordre auparavant, là, vous-même, vous connaissez. Ne riez pas trop fort. Alors, hé, hey! Est-ce que je blague? Merci, maman, ma princesse, depuis le Bénin, il faut t'aboter, merci. Encore, danse. Merci, il faut t'aboter, s'il te plaît, partage. Elle avait des bonnes touches, elle est toute sucrée.
quand je là, c'est elle, quand je suis là, c'est moi. Chaque jour, c'est le même. Oui. Ok, ça c'est alors pressé, oh. Attends un peu, attends, attends, stop. Elle ouvre d'abord, ça part. Maman, mon cadeau, il arrive demain. Si tu avais la jalousie. Mais ouvre ton cadeau. Du coup, les filles ont reçu deux cadeaux. Et là, c'est mes cadeaux que moi, je les ai offerts au pied du sapin, dans les sacs. Et les cadeaux qu'elles sont en train d'ouvrir là, c'est les cadeaux que Martin les a offerts. Moi, je les ai offerts d'autres cadeaux qu'elles vont ouvrir demain matin. Donc, du coup, j'ai dû mettre ça dans la chambre parce que tellement elles étaient pressées. Et ça, c'est les cadeaux qui étaient au pied du sapin. Il y a Luna qui dort déjà, donc elle va ouvrir son cadeau demain. Et les cadeaux de Cynthia que son père a commandé vont arriver en retard. Mais elle va quand même ouvrir quand ça va arriver. Je vous laisse avec vous. Yeah! Enfin, là, ça montre connecté. Montre connecté de ça. Et là, c'est quoi? Les baskets. Oh, c'est joli. Ah là là. C'est joli. Elle a un petit pied. Regarde. Oui. T'es contente alors? Ah, je la montre connectée. Et tu vas connecter ça à quoi? À mon téléphone? Oui, mais je sais pas. Mais si on m'appelle, ça va tenir chez elle. Si tu peux me faire non. La montre connectée de Kezia. Et elle va connecter ça à quel téléphone? Bah, au mien. Oh, tiens, ah, d'accord. Et là, la soirée continue avec les mélodies du Cameroun, des bonnes mélodies qui nous font plaisir et on enjoy au maximum. Hein. Et là, il y a la femme de quelqu'un qui est en train d'enjoy. Waouh! Le français alors touche l'ambassade B. Et les Sawa. Sawa Lokoi. Sawa et Sawa Lokoi. Mon beau frère Félix. Hey, ne viens pas mal. Ah. Non, Félix, je sens que tu vas seulement aller en boîte le 31. Hein? Ou bien, Félix. Le 31, non? Alors, hey, il a ta papa, il dit qu'il est chi. On ne chie pas comme ça. Mais il ne veut pas ouvrir la porte, c'est dangereux ce qu'il fait. Doucement, Cynthia. Ah. Ok, merci, merci. Du coup, quand Martin dansait devant le TikTok de son petit frère, Les abonnés de son petit frère, les femmes qui sont dedans, demandent le numéro de téléphone de Martin. Et ça le fait rigoler, il est content. Et son petit frère lui demande de danser là-bas, parce qu'il sait que Léa Julie est très jalouse. Donc, il entre dit à son grand frère, danse là-bas, cache-toi là-bas. Les petites filles aiment toi les mamans. Hein. Donc, Iris, on demande Iris, la parisienne. Tu danses maintenant.
Vous savez, Martin et moi, nous, on s'intrigue comme les potes. Hein. Il m'intrigue et je l'intrigue. C'est comme ça dans notre couple. On est comme des deux potes. Donc, du coup, que ça ne vous choque pas quand je l'intrigue. Non, là-bas, là-bas. Oui, tu es dangereux, va danser. On a compris que tu es dangereux. Il dépasse pas mon beau-frère. Non. Donc, tu as vu la fiche là. Il dit que tu es dangereux. Elle dit que tu es dangereux. Ma femme tremble, il y a le sapin derrière. Ok. Ah non, sans ah non. Tapotez s'il vous plaît, les frères, tapotez s'il vous plaît. Pour sécuriser le live, s'il vous plaît, tapotez. Non. Sans mélima. Non, Kézia, cette fois c'est non. Kézia, c'est bon alors. Tite et... Hey. Hey! On va se baisser maintenant au sol. Oh, oh. Merci. Non, j'ai pas qu'à les charrer. Vous n'avez qu'à Paris. On ne va quoi? Mais donne le numéro, non? Dis-le à Coca. Il va aller là goûter là-bas, c'est leur problème. C'est naturel. Donne le numéro. Il va aller là goûter là-bas, elle va comprendre. Tap, les abonnés, s'il vous plaît. Il manque quelque chose. Non, maïe. Tac. Je vais monter. J'en dis. Ah ouais. Vas-y, mon frère, vas-y, tu peux parler. Voilà, ok. Tu peux voir, Sanja Chouchou. La fille de sa mère, oh, maman. Aïe. Ça, c'est la fille d'une parisienne. Waouh. La famille en place. Piétine-nous les choses. Venge ta mère. Ma mère qui danse avec la tête. Maman, essaye quand même de danser. J'ai deux filles qui dansent. Il y a elle et elle. Le reste là, nous, on mouille. On mouille le terrain. Hey, oh, tu danses, hein? Tu joues. Odé n'est plus ça. Odé bouge doucement maintenant. Odé a l'air de quelqu'un qui peut bien danser. Ta copine ne sait pas danser. Je ne sais pas danser. Où? C'est la tête. Moi j'aime ma façon. Eric a fait fort, Eric a fait fort. Aïe. Eric a fait fort. Elle n'est pas encore engagée, ça ne dit pas. Là c'est une fille aussi, hein. S'il vous plaît, encouragez le direct. Mais on te parle de français, tu crois que c'est la blague? Dans ce style, moi je te fais respond. Est-ce qu'on le baisse? Responde, non, je veux pas faire le travail.
c'est la danse. Tu vas faire le challenge. Erika, tu vas c'est la mouvement seulement. Doucement. Et tu buvant le vin, laissez-moi la danser et tu danses là. Le vin est beaucoup trop la cave même là. Je veux qu'on vide tout. Demain, il commence à acheter l'autre. Les hommes. C'est un danseur, hein. Hey, Rodé ne joue pas. Envoie le gars, Mélissa, envoie le gars. Tu sais que quand tu as les chaussettes, tu peux glisser comme ça, comme tu peux ça. C'est vrai, ça te donne le rythme, les chaussettes. Tu peux bien toucher. Tu danses comme tu es, cassateur. C'est ça, cassateur. Ma petite maman, c'est pas une danseuse. Hein. Elle fait seulement le boulamba là. Hey, c'est une due. Hey, c'est une grande danseuse. Hein. On finit ça, on attaque. Il y a les tournages de reins ici à Dama. Hey, me viens pas mal. Hey, merci. Félix, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Félix a compris. Oh, le c'est lui qui te porte, c'est toi qui vas le porter aujourd'hui. Mais Félix a aussi l'intelligence. Juste... Ah oui, il ne voit pas. Félix a compris que c'est lui qui va te porter. Ça c'est le rêve de quelqu'un qui a mangé le musunga, papa. Oui. C'est le musunga qui est dans. Tu as dérangé Rodrigue. C'est fini là. Et deux jours après, le cadeau de Cynthia est arrivé. Elle a aussi ouvert son cadeau. Elle ne s'est pas fâchée, la petite maman là. Elle a été très sage. Elle n'a pas été trop jalouse quand elle voyait les cadeaux de ses soeurs. Il y a ses soeurs qui l'accompagnent là pour ouvrir son cadeau. Tout heureuse parce que c'est ce qu'elle a toujours commandé. Hein. Elle commande toujours ces choses aussi, les pâtes à modeler, les slimes, les petits trucs qui sont tendres, je sais pas. Elle a toujours aimé ce genre de choses. Tandis que les autres commandent des cadeaux chers, elle commande toujours ce genre de cadeaux. Moi, je comprends pas ma fille. Et ça la rend heureuse. Et elle déballe gentiment ses cadeaux, elle est heureuse. Ses soeurs touchent. En fait, son cadeau est venu en double. Son père a acheté ça en double parce qu'elle a été patiente. Elle n'a pas pleuré, que c'est venu trop tard, mais bon. Et elle a profité de deux cadeaux. Donc, du coup, et voilà l'autre qui est devant là et l'autre ici. Et elle est heureuse. C'est comme ça que nous, on a passé mon anniversaire. C'était bien et tout. Et merci surtout d'avoir regardé. Abonnez-vous surtout. Hein. Oui, si tu as aimé ma vidéo, je te demande de me laisser des pouces, des commentaires. Et surtout, fais-moi signe pour que je puisse te souhaiter la bienvenue personnellement. À bisous, je vous aime.